Bonjour à tous. De la pluie et de la fraîcheur au programme pour ce dimanche. Pour quasiment tout le monde, c'est vrai, on a déjà battu des records de froid pour la journée d'hier. Regardez pour les températures maximales, surtout dans l'est. C'est vrai, une fraîcheur digne d'un mois de novembre et de records qui datent pour certains de l'année 1931. Donc c'est vrai que ça remonte à quelques années déjà. Donc un dimanche sous la pluie puisqu'on a une perturbation vraiment qui glisse sur le nord et l'est du pays depuis plusieurs heures en lien avec une dépression sur l'Allemagne et elle la apporte, vous voyez, toujours de la neige sur le massif central ou encore. Du du côté des Alpes. Donc, cet après-midi, on retrouve finalement ces pluies, alors qu'ils seront un petit peu plus marquées, c'est vrai, entre l'est du bassin parisien vers la Bourgogne-Franche-Comté et donc vers les Alpes. Elle glisse un petit peu vers le sud puisqu'elle est poussée pour, par ce vent de nord-nord-ouest. Et on profite de belles éclaircies en Bretagne, dans le sud-est, un temps vraiment qui redevient un peu plus calme et plus sec également le long des frontières du nord-est. Le tout, donc, toujours avec cette grande fraîcheur des températures qui restent un petit peu juste pour la saison. 7 degrés à Aurillac, 10 degrés pour la ville de Clermont-Ferrand et 20 degrés. Pour Nice, alors demain finalement c'est la même perturbation qui continue de faire du surplace, elle perd un petit peu en activité, ça donnera seulement des pluies faibles. Alors en matinée du nord-Pas-de-Calais en descendant vers la région Occitanie, et cette zone de pluie qui va se décaler au fil des heures vers l'est puisqu'elle est à nouveau poussée par ce vent de nord-ouest que vous voyez, donc ça va dégager le ciel avec une zone d'éclaircie entre la Gironde et en remontant donc vers la Normandie, entre le sud-est et la Corse toujours pas mal de vent mais le soleil sera au rendez-vous. Et on a déjà une perturbation qui arrive par la Bretagne avec de nombreux nuages mais le temps qui restera sec. Vous. Pour cette journée de lundi, les températures en matinée, ça reste encore un peu frais. Alors ça augmente, c'est vrai, sur les régions du nord, avec 12 degrés à Paris, 11 degrés pour la ville de Lille. Et puis dans l'après-midi, les températures remontent. On gagne 1 à 2 degrés localement, avec 17 degrés dans les rues de la capitale, 15 pour Lyon. Et puis pour la suite, ce sont de nouvelles perturbations qui vont traverser le pays, même si c'est vrai que pour mardi et mercredi, le sud restera à l'écart, mais on en reparle ce soir. Bel après-midi avec nous sur France 2.